Que n'avait pas Églantine d'ailleurs tout à l'heure. Bon voilà, on m'a demandé d'écosser les haricots et il se trouve que j'étais nulle. Elle a sorti le couteau et la fourchette. Je n'étais pas aussi. La seule visiblement à ne pas connaître cette astuce, donc je veux bien t'inviter à la montrer là maintenant. Attention, rendez-vous dans quelques minutes pour l'astuce de l'épluchage, le décossage du haricot coco. Alors, à reprendre sa position. Alors, t'as du bol, Patricia ? Je te tutoie, hein, parce ouais, que moi, pas de toi problème. Et Serge Canin, c'est ma vie. Moi aussi, je te tutoie. Donc, voilà, hein, ma poulette. Alors, donc, on va simplement. T'as de la chance de ne pas avoir à écosser les haricots. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. En revanche, tu vas m'émincer l'oignon, s'il te plaît. Ouais. Voilà. Voilà. Et nous, on va partir pendant ce temps-là. Pendant que tu veux un plus petit couteau, ouais, peut-être, peut-être. J'ai un peu peur. Ouais, parce que là, parce que fine. Prends le grand couteau, ça sera mieux. Voilà, fais attention à tes doigts, c'est tout. Voilà, il faut savoir que le fenouil, voilà, tu les, voilà, des petites rouelles fines. Alors le fenouil, ça va apporter un petit côté élégant dans les sauces tomate-oignon, parce qu'il y a ce petit goût anisé, hein, ce petit goût anisé. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peur du fenouil. Voilà, disent ah non, ça a un goût très fort, ça. Là, ça va fondre dans la préparation, dans la sauce tomate, et ça va juste apporter ce petit supplément d'âme de azuréen, hein, j'ai envie parce de dire. Que Vincent, petit goût de côte d'Azur. Le fenouil, il est anisé quand il est cru. Et quand il est cuit, il perd ce petit goût-là. Alors, il ne perd pas entièrement, mais ça s'atténue un peu comme l'oignon est plus doux, évidemment, cuit que cru. Ah, je dis voilà. Ça sous ton contrôle, hein, bien entendu. Alors, je rappelle que Patricia, qui nous accompagne, est toiletteuse pour chiens, hein, c'est ça ? Tout à fait. Alors, puisqu'on est en cuisine, on en profite. Un Yorkshire environ. Un kilo, combien de temps au four, à quelle température ? Oh non ! Quoi ? Oh Vincent, je t'interdis ! Arrête ! Qu'est-ce que j'ai dit ne encore ? Ne répondez pas, Patricia. Arrête. Alors, le temps qu'il rentre dans le salon, il ressort dans 2h30. 2h30, bah voilà. 2h30, voilà. Ouais, c'est bien. Toileté. Bien confit. Bien confit. Vincent, dans le sud, en Provence et Côte d'Azur, l'oignon, on dit les cèbes. Voilà. Et ça chante dans la casserole, là. Ça chante. Ça chante. Et comment tu dis le fenouil ? Ah, le fenouil. Oh, ça, c'est moins poétique, mais c'est joli quand même. Voilà. Eh oui, alors, envoie le fenouil. Allez, on envoie le fenouil. On fait revenir dans l'huile d'olive. Suivez, hein, si vous êtes chez vous, c'est très simple. Regardez, on a démarré juste un peu d'huile d'olive chaude, un oignon émincé, un petit peu de fenouil. Le fenouil avec son côté légèrement anisé. Et dedans, tu vas juste l'écraser. Regarde bien. Je vais au-dessus de là. Oui, oui, voilà, c'est ça. Non, mais donne un coup dessus. Non, tu poses dessus. Ah. Voilà, comme ça. Voilà. Ouais, non, mais regarde, hop, tu récupères, bouf, directement dedans. Vas-y. Ouais, mais moi, j'aimais bien et son plus, on en a pas plein les doigts. C'était joli, voilà, son déchet. Tu poses ta lame de couteau. Ouais, ouais. Ouais. Patricia, magie de la cuisine. Vas-y, balance. Art et magie de la cuisine, c'est ça. Voilà. Non, moi, je cuisine pas comme ça, quand même. À quoi ? Moi, j'aime bien fin, mais pas écrasé comme ça. Mais c'est bien parce que, tu vois, c'est pratique, ça va fondre dedans. Ça serait une nouvelle manière que j'apprenne à cuisiner. Ben, écoute, rappelle-toi simplement qu'on fait revenir un tout petit à peu. Fait. Ici, on est sur le coup. On est sur le coup. On rajoute la sarriette, le thym, oui. Voilà, dans nos, voilà. Un petit peu d'épices, c'est du 4 épices, voilà, c'est pour aromatiser. Mmh. Un petit peu d'origan également, voilà, tout ça est simple. Et puis, on met nos cocos, vas-y. D'accord. Tu peux mettre la moitié de ce qu'il y a là parce qu'ils ont... Attends, je vais filmer. Ils ont drôlement écossé, hein. Là, on en a pour... Ouais, tu as encore un petit peu ? Tu mets pas de piment d'Espelette ? Voilà, alors, je vais mettre du après. Piment d'Espelette après. Hein, bon, parce que si tu mets du poivre ou du piment directement sur le feu, la flamme, ça va lui faire perdre sa force. Ouais. Donc, il vaut mieux le mettre une fois qu'on est dans l'eau de cuisson. Regarde, c'est déjà beau de couleur. Ouais. Et là-dessus, au lieu de mettre de l'eau, simplement un bouillon de légumes. Ah, voilà. Oui. C'est une bonne idée. Un bouillon de légumes qui va ton parfumer. Fameux bouillon de légumes. Ah, bah oui, bah, c'est pas grave. C'est le sachet de bouillon, voilà. C'est ce qu'il fallait. Ça fera meilleur comme ça. Exactement. Et comme ça, on commence à faire cuire nos haricots. On y rajoutera tout à l'heure la tomate et le piment d'Espelette. Bon, je rappelle qu'on est avec Patricia, qui cuisine avec moi aujourd'hui, qui est toiletteuse pour chiens, et qui fait aussi ça sur la plage. Elle compte les chiens qui passent. Hein. Il y a beaucoup de chiens ici, ailleurs. Ça, je ne vous dis pas la plage que je vais. Ah, bah alors, ah, voilà. Ah, voilà. Ça, c'est les secrets de l'eau. Voilà. Alors, les amis, on est dans la recette avec Patricia. Patricia qui me disait, hors antenne, elle me disait... Je vais les refaire à la maison parce que je les mange jamais comme ça, c'est vrai ? Jamais. Hein, ben voilà. C'est vrai que l'utilisation du fenouil, on a toujours un peu peur. Et là, ça va se marier très bien avec notre recette, origan, un petit peu de 4 épices. Tu peux rajouter la tomate, s'il te plaît, Patricia. Alors, on a pris de la tomate déjà concassée en boîte, d'une très bonne marque italienne. Voilà. C'est ce qui va apporter couleur. On pourrait évidemment, en saison, écoutez, je vais vous dire... En saison, on pourrait y mettre de la tomate fraîche, c'est même conseillé. Sure. Mais là, on est sur le bout de la saison de la tomate.
C'est difficile à avoir. Les tomates des AMAP que nous a présentées Nathalie Simon cette semaine, j'ai pas pu en avoir autant que j'aurais voulu. Ben oui, c'est la fin de la saison. Et puis, il y a quand même les abonnés qui passent en premier. Hein, donc, c'est naturel. Mais là, c'est bien. Tu vois, là, regarde, Patricia. Ouais. Ça a pris une bonne couleur. On va laisser mijoter. Ça va cuire encore. Allez, un bon 30 minutes. Oui. Du coup, on va les manger durs comme du chien à la fin de l'émission. Mais on les gardera pour demain. Je vous rappelle que nous sommes à hier. L'averse est maintenant passée. Le soleil va revenir sur les Hiérois, récompensés parce qu'ils vont goûter les préparations de Patricia. Patricia, on a fini nos cocos à la tomate. Merci. J'ai envie de dire, à table. À table, les à amis. Table. Oh là là, j'ai le tablier qui tombe. Voilà. Allez, je vais prendre la cocotte. Alors, ils vont être encore un petit peu fermes. Hein. Ça aurait bien mérité 5 minutes de plus, mais c'est pas grave, on a toujours plein de choses à manger. Allez, faites le tour, Patricia. Faites le tour. Ah, il y a Marie-Claude avec nous. On a plein d'invités. Il y a Marie-Claude. Regarde, j'ai une hiéroise qui travaille dans l'hôtellerie à Monaco. C'est Julie. Voilà. Patricia ici. Pardon. Voilà. Je pose la cocotte. Alors, Marie-Claude, la confiture de tomates, ça se fait aussi. Hein, vous en faites, vous? Non, ça va. Oui. Vous en faites? Non. Les tomates ne poussent pas sur les arbres. De Porquerolles. Ah bon? D'accord, ah ben voilà, donc pas de confiture de tomates, ni verte, ni d'autres couleurs. En revanche, elle nous a apporté ces confitures de figues qui sont absolument superbes. Combien de variétés déjà? Vous l'avez dit tout à l'heure? 140. 140 variétés, ça permet de ne pas lâcher. Qu'est-ce qu'on a dans ce superbe tian là-bas que découpe Jean-Sébastien? C'est ce que c'est ça? C'est une merveille. C'était melon. C'est une merveille absolue. C'est Stéphane Blanchard, qui est artisan boucher ici ailleurs, qui nous l'a préparé. Et c'est fin, délicieux à déguster. Oui. Je rappelle que nous ne sommes pas des affameurs ici à Midi en France. Le public déguste en même temps. Vas-y, serre. Il y a Ursula qui est passée. Alors. Mais haricots, coco, vous voyez les morceaux d'oignons. Alors, vous ne mangerez pas évidemment le thym et la sarriette. Ça a une belle couleur. Alors, c'est sympa. La branche qui reste, on l'appelle la brouquette. Tu vois, on va la lever, la brouquette. C'est la brouquette. Oui, le nom, c'est la brouquette. La branche qui reste dans le après-cuisson. Hein, parce qu'évidemment, toutes les... Je vous prends votre assiette. Voilà. C'est toutes les saveurs du Sud. Voilà, ce melon qui est en fait une... Dis donc, Jean-Seb, le melon, c'est une grosse paupiette, en fait. C'est une énorme paupiette. C'est faux. C'est faux. Comme disait chez moi, héron et héro. Voilà, exactement. Et ça brûle un petit peu. Alors, on va regarder, si vous le voulez, je suis sûr que vous le voulez, Patricia, on regarde comment on a fait cette recette. Regardez, il y a quelques images, c'est très simple. On a démarré, déjà il fallait écosser les cocos en leur tordant le cou. Ensuite on récupère ces cocos rosés, on émince un oignon, un fenouil, on le met tout ça dans l'huile d'olive. Voilà, juste à revenir, que ça étuve gentiment sans trop colorer. Une petite gousse d'ail et hop, tout ça dans la cocotte, dans l'huile d'olive. Et puis on va ajouter nos cocos rosés frais, attention, bien sûr on ne les a pas fait tremper, ils sont frais. On y rajoute notre bouillon de légumes et puis la tomate concassée. Piment d'Espelette, un petit peu d'origan, thym, sarriette, les aromates, les herbes de la garrigue, j'ai envie de dire. Exactement. Alors, moi, j'ai pas encore goûté, mais ça. Dites-moi. Vincent, je te la pique. Trop bonne. Le melon avec tes cocos, c'est magnifique. Ah oui, alors le melon est magnifique. Ce melon, c'est cette préparation, cette grosse paupiette. Voilà. Ah oui. Et cette sauce, Vincent, c'est délicieux. Mais tu sens le petit goût du fenouil? On le sent très bien, tu as raison. Les amis, qu'est-ce qu'on est bien ici entre nous tous, avec les Hiérois et les Hiéroises qui sont venus toute la semaine et qui seront encore là demain avec nous. Alors, si vous êtes devant votre écran, faites la cuisine en même temps. Et j'ai envie de dire, puisque c'est le moment de déguster, c'est le moment de déjeuner. Bon appétit du Nord au Midi, en France. Allez.